Hey, salut tout le monde, c'est Xuki et je suis encore malade, c'est génial. Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Exacraft et aujourd'hui, petite machine redstone et peut-être plus. Je vous avais dit peut-être l'usine à... Attendez, ils sont peut-être en train de faire des petits... Nous assistons au... Un magnifique spectacle de la nature. Deux êtres vivants qui sont en train de copuler. Je sais pas s'ils sont tous les deux amoureux ou s'il y en a qu'un seul. Oh, il y en a deux là, vu le nombre de cœurs. Excusez-moi. Ah oui! Et il l'a mis au monde! Et est-ce que... C'est quoi comme villageois? C'est quoi comme villageois? C'est inutile ce genre de villageois. Mais bon. Et d'ailleurs, j'ai fait erreur. Voilà, je le pousse. J'ai fait erreur. En fait, les villageois arrivent à se reproduire en bas. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient reproduits. Il y en a un de plus là de Librarian. Alors, est-ce que je vous les avais montrés ceux-là, puisque Feather Falling 4, ça peut être bien. Ça en avait parlé. Respiration 3. Mur. Ouais, celui-là, on le connaît, hein, c'est celui qui a looting, hein, c'est bien. Toi, respiration 3 aussi. Benaf Arthropod, donc il y a encore un livre à débloquer chez lui. Et toi, tu serais pas un petit nouveau, toi? Non, il y en avait déjà 4. Oh putain, je m'en souviens plus. Feather Falling 3 et Sharpness 4. Ah non. Vous voyez, il faut... Oh, merde. Ils sont déjà quelques-uns. à vouloir se reproduire par ici. Mais bref, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai des trucs dans mon inventaire. Des feuilles. Bon, ça veut rien dire ça. C'est juste quelque chose qui va nous être utile dans cette fameuse usine. Que j'ai préparé par ici d'ailleurs. Le matériel principal de cette usine, je ne l'ai pas. Et c'est... Bah, j'en ai qu'une seule. Eh bien, c'est la Sugarcane. Donc, je vous avais dit que je ferais l'usine à Squid. Cela ne va pas être le cas, puisque j'ai envie de faire cette usine-là, puisque j'en ai besoin pour farmer comment? La canne à sucre, les émeraudes, et avoir Mending. Clairement, les Dark Prismarine ne pressent pas, donc ça ira. Il y a toujours mon spawner au-dessus. Je sais pas ce que j'en ferai, sachant que là, je fais... L'usine à canne à sucre va prendre toute cette place et éventuellement à terme si... Bon, quoique je suis peut-être un petit peu trop greedy, mais... Ça se trouve, c'est même pas nécessaire de faire autant. Ouais, je pense que je resterai sur ça. Hein. Parce que vu le temps que je resterai à AFK des fois ici, ça me produira bien les trucs. Alors attendez, je vais encore tousser un grand coup. Voilà. Ouais, c'est terrible de vouloir tourner des vidéos en étant malade. En ayant une toux ou même un rhume. Et du coup, j'ai commencé à faire une... comment dire? Un bloc de l'usine. Et donc, cette usine, le but, ça va être d'avoir de la canne à sucre. Tiens, d'ailleurs, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas comme ça. C'est comme ça. On reprend un sticky. C'est comme ça. Comme ça. Donc ça, on s'en fiche. On met ce qu'on veut. Et... Par contre, j'ai haste. J'ai haste. Donc du coup, on va faire gaffe. Voilà. Hop, hop. Et ça, voilà. Donc ça, c'est une épaisseur, une partie de l'usine qui sera faite sur toute la largeur, sauf sur toute la longueur, sauf un, puisque, pour rappel, l'eau s'étend à 8 blocs, si je me souviens bien sûr, s'étend à 8 blocs. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite nous avons besoin de 8 de sable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et normalement si je casse ça, l'eau ira jusque là. Donc l'eau s'étend jusqu'à 8. Et
Donc, j'ai même pas expliqué depuis le début. Donc, en fait, on aura une sorte de cloque ici, en plein milieu. Et tous les X temps, en fait, tous les sticky pistons qui seront comme ça tout le long, eh bien, s'activeront et pousseront, en fait, la canne à sucre qui sera là et qui, du coup, sera droppée dans l'eau. Et elle sera ensuite emportée par le courant vers un hopper qui mettra tout ça dans un coffre. C'est très simple, c'est une usine à canne à sucre totalement AFK. Du coup, c'est génial. C'est comme ça. Déjà qu'on a une usine à slim qui se fait en dessous toute seule, eh bien ça ce sera parfait. Donc du coup je vais reproduire ce design donc sur toute cette largeur là. Ensuite, d'ailleurs, je vais peut-être pas faire comme ça. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. 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 Toc 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 toc. Et peut-être même comme ça. Voilà. Ce sera bien plus esthétique. Comme ça, on ramasse ça, on remet toc, voilà, ce sera beaucoup plus esthétique. Et après du coup on mettra de l'eau avec du sand, toc, du sand, tac 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 tac. J'ai pas d'autres seaux d'eau, lui c'est des coroco. Hop, je vais juste chercher de l'eau et après on fera une petite ellipse puisque c'est pas le truc le plus passionnant. Mais surtout qu'il faut que je me rappelle de la machinerie derrière. Bon, surtout qu'elle n'est pas très compliquée, hein. Clairement, elle est très simple. Bon, c'est pas mon design à moi, c'est le design de Impulse SV. Autre membre de... Je vous avais déjà parlé de Tango Tech l'épisode précédent. Et Impulse est aussi un autre membre du serveur AirmiCraft, un serveur américain. Un petit peu comme ce serveur-là, hein, voilà. L'une des inspirations de ce serveur. du coup, bon, le nom de cette ferme, c'est qu'elle est... je sais plus, je crois qu'il avait dit... comment il l'avait dit? Cheap. Elle est cheap et facile. Donc elle est facile, oui. Et cheap, c'est simple. Et très peu... Normalement, c'est... Quand on dit cheap, c'est... C'est que c'est pas très coûteux. Mais clairement, le nombre de slime blocks, si vous n'avez pas d'usine à slime, à slime, ça va être très compliqué. Ça va être... ça va être très cher. Mais moi, j'ai plein de slime blocks. Du coup... moi je peux me permettre de faire ça. Donc du coup, je finis de reproduire ce design d'un côté à l'autre. Et on se retrouve tout de suite. Et donc, alors, j'ai bien reproduit ça. Par contre, je crois vous avoir dit une bêtise. Puisque je vous ai dit qu'il fallait reproduire les sticky pistons. Mais c'est vrai que j'avais oublié moi-même que... Avec les sticky blocks, les slim blocks plutôt, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir des sticky pistons ici, en fait. Enfin, sur toute la longueur, on a juste besoin d'en avoir ici. Donc, alors, on va enlever ça, enlever ça. Je vais mettre les torches autre part, par exemple, ici, ici, ici. Alors, on va mettre nos petits blocs, toute la longueur, sur toute la longueur. On va avoir besoin de ça, comme ça. Ensuite, on va avoir besoin, donc ici on peut laisser, j'ai besoin d'une image. Ok, on va avoir besoin de... 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs comme ceci. Peu importe dans quel sens vous allez faire ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux hoppers. Donc il faut bien les mettre au centre. Donc ça, on casse ça, on casse ça, on remet ça. On remet ça comme ça. On va avoir besoin de deux redstone comparator. On va mettre comme ça, comme ça. Et ça, c'est une classico. C'est une cloque classico quand même. Qu'on va faire comme ça. On a besoin d'une, enfin de plusieurs redstone. Ensuite, quoique, attendez, c'est bien comme ça, hein. Attendez,
J'ai un doute. J'ai un doute. Attendez. Oui, c'est bien comme ça. Je revérifie sur les images aussi à côté. Jusque bon, voilà, hein. Non mais oh, hop, on fait ça. Bon, ça par contre, tu m'as embêté. Non, c'est bon. Et la torche, je l'ai récupérée. On va mettre ça là. On va ensuite placer un hop, bloc de redstone. Et ensuite, dans ces coffres, hoppers, nous allons placer un stack plus 5 de d'items, ce qui correspond à autant à peu près que mettront toutes les cannes à sucre à grandir d'au moins un. Donc du coup, ce sera suffisant et donc tous ces temps-là, en fait, eh bien les pistons, enfin le piston va pousser tous les blocs de slime et ils vont casser la canne à sucre. Bon, par contre là, ça va être tout ce qu'il y a de plus compliqué, c'est-à-dire puisque là j'ai réadapté la machine de Impulse pour que ce soit moins dans la longueur et je sais pas si ça marche. On peut tester, mais il me semble que ça peut marcher, pas sur ce point-là. Donc, alors, on va voir ça comme ça. Ensuite, excusez-moi, on va avoir besoin de ça, comme ça. Casser là, casser là, casser là. Voilà. Voie. Casser la voie, bien sûr. Hop, 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 hop. Et hop. Et je pense que ça suffira. Toc, toc. Hop, 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 hop. Et hop. Non. Voilà. Non, c'est pas bon. Ça a été trop rapide. Ça a été trop rapide. Voilà, c'est parfait. Et donc là, normalement, on va attendre un petit peu. Normalement, ça devrait être assez rapide. On va voir ça, on va voir ça. L'autre côté, ça va pas être pareil. Il faudra faire un bloc de plus. Enfin, ça va être un petit peu différent. Allez, active-toi. Bonjour. Active-toi. Bon, allez, on t'attend, hein. On t'attend. Ok, bah. Ah ouais, il faut attendre deux fois, en fait. Faut attendre deux fois. C'est long. C'est long. Donc les 5, on va les remettre là. Ça, on va remettre là. Voilà. Comme ça va aller un peu plus vite. Et là, on va voir que ça va pousser et ramener. Voilà. Et c'est parfait. Normalement, ça devrait pousser les cannes à sucre. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Donc, par contre, ici, du coup, ça va être compliqué. Puisque 4, c'était vraiment ce qu'il fallait. Et du coup, on va placer ça. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah oui, la hitbox a changé. Normalement, c'était. Attendez. Ah oui! Ah, je savais pas. J'avais même pas remarqué que la hitbox de la redstone avait changé, tiens. Alors, on va casser tout ça ici. J'ai changé ma pioche pour que ce soit une efficiency 4. Comme ça détruit moins. Puisque sinon, c'est très compliqué. Hop, on remet une torche. Alors, hop, 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 on va pouvoir mettre une torche ici. Oh, calmez-vous. Ici, ici et ici, voilà. Et ça va reprendre les blocs, j'espère. J'espère que ça va reprendre les blocs. Et du coup, donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler cette machine, comment elle se déroule. En fait, donc tous les X temps, donc chaque fois que tous les objets vont arriver. Attendez, j'ai un doute. Je sais plus si c'est pareil des deux côtés. Donc non, en fait. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute sur. Est-ce que ça active les deux, les deux en même temps ou si ça en active qu'un seul? C'est ça que je me pose comme question. Si tout ça. On va voir ça. Est-ce que ça active les deux? On va regarder les slim blocks bouger.
C'est activé ça? Il s'est activé lui? Oh, attendez. Attendez, monsieur. Par contre, attendez, j'ai pas un coffre. Bon, j'ai pas de coffre. On va enlever ça. Ok, voilà. Et ensuite, on remet ça. On prend ça, on prend ça. Et on remet ça. Je vais juste tester. Je veux voir. Ok, ça n'active pas celui-ci. Pourquoi? Alors, on se pose la question. Pourquoi? Alors, comme ça. Ça connecte pas à ce. Je crois que ça connecte pas à ce bloc-là. Et du coup, si je fais ça. Ok, Shinigami. Yo. Je réfléchis à ça. Est-ce que si je place ça, est-ce que c'est bon? Parce que du coup, il y a un problème. Je pense que c'est la torche. Ouais. Ça active pas. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Pourquoi ça active d'un côté et pas de l'autre? C'est très étrange. C'est peut-être parce que c'est pas directement lié à ce bloc. Ok, ça a désactivé. Hop. Du coup, on va faire ça, ça, ça. Ensuite, on va faire ça. Et est-ce que ça marche? Bon, on va tester. On va tester, toujours tester. Hop. Ça, on place là. Bon, alors, est-ce que là, ça va marcher? Normalement, en fait, là, ça envoie un petit courant. Et est-ce que ça l'envoie de l'autre? Quand tout est ici. C'est étrange. C'est étrange. Hop. C'est étrange. Il faut que je fasse tous ces tests. Ah si, voilà, là ça pousse. C'est bon. Ouh. Vous m'avez fait peur, monsieur la machine. Monsieur la machine à canne à sucre, vous m'avez fait peur. Donc ça marche. Mais je crois pas que ça les active tous les deux en même temps. En fait, ça active d'abord celui-là. Enfin, ouais, c'est chacun son tour. D'abord celui-là, après celui-là. Selon lequel s'active. Donc c'est bon, ça marche. Donc, en fait, tous les X temps, ça envoie une impulsion. Donc, dès que celui-ci est vidé. Non, dès que celui-ci. Dès que cet hopper-là est vidé, ça envoie un courant ici. Qui, en fait, va envoyer un courant léger ici. Qui va éteindre et allumer la torche. Du coup, tout ça va s'éteindre. Et du coup, cette torche va s'allumer. Et tout ça pendant un bref instant, une seconde. Et du coup, une seconde, même moins. Et du coup, le piston va s'étendre et se rétracter pour casser la canne à sucre. Donc, c'est assez simple. Du coup, il va falloir que je remette plein de petites cannes à sucre ici et on pourra commencer à farmer. Donc, par contre, il va falloir que je décore tout ça. Faudra mettre des six lanternes. Faudra cacher tout ce qu'il y a derrière, c'est pas très beau. Ouais. C'est pas très esthétique. Mais niveau blocs qui sont pas poussables, on va dire, par les. Qui sont pas collés par les sticky les slim blocks. Eh bien, il me faudrait. Les slime blocks. Il me faudrait. Qu'ils soient pas trop transparents. Puisque là, ils sont transparents. Sinon, je peux faire option. Très bien. Vidéo settings. Graphique fancy. Voilà, il faut mettre en fast. Et du coup, là, on voit pas à travers. Et là, tout est réglé. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc, options. Vidéo settings. Fancy. D'ailleurs, ça change tout, en fait. J'ai l'impression. Ça change les ombrages. Et... Sinon, ce qui est, les feuilles qui sont les moins transparentes, je crois que ça doit être les jungle leaves. Sauf que
On n'a pas encore de jungle, donc on verra bien ça une prochaine fois. Du coup, je vais faire la déco de cette machine et on se retrouve tout de suite. Eh bien, tout le monde. Eh bien, bien sûr, quand je recommence à parler, je tousse, c'est génial. Donc, on se retrouve pour la fin de cet épisode. Déjà, bon, ce sera un épisode assez rapide. Ça fait du bien, toujours, quand même, des petits épisodes comme ça, de 20 minutes, ça se regarde rapidement. Et moi, du coup, comme je suis malade, ça me tue pas trop la voix. Donc, j'ai fini ma petite déco. D'ailleurs, je devrais peut-être poser des blocs. Je ne sais pas si ce serait utile ici, mais ça reste cool. Donc, ici, j'ai mis des escaliers, puisque, à mon avis, c'est ce que je mettrais ici, comme dans tous mes couloirs, hein, comme ici, et comme là-bas, des petits escaliers. Ensuite, en dessous, j'ai mis des escaliers, histoire de donner un petit peu plus de relief, des vitres pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Comme ça, on se dit, oh, bah tiens, une usine à canne à sucre, comme ça, on récupère ça. Bon, toute la canne à sucre là, c'est ce que j'ai ramassé dehors. Mes petites plantations de canne à sucre. Ensuite, toujours les feuilles que je changerai. Mais finalement, on voit pas tant que ça. Si jamais à un moment, je me dis... Attendez, est-ce que par exemple, si je me dis... Vas-y, je casse ici, tiens. Non, c'est pas bon. Voilà, ici. Est-ce que... Ah non, la redstone, elle est là. Ou alors, déjà, je pourrais poser d'autres blocs en dessous. Ce serait bien. Ce serait bien, mais par contre... ici, c'est de la redstone. Je vais pas pouvoir faire grand-chose, sauf si je déplace tout le système un après. Ce qui est faisable. C'est ce que je pourrais faire. C'est ce que je ferai sûrement. Ouais, pour le prochain épisode, histoire que... ça ne se voit pas trop en fait. Que ce qu'il y a derrière, ça ne se voit pas trop. Si je mets des prismarine blocks juste derrière, ça peut rendre sympa. Ça peut rendre bien. Et moi, la petite touche de feuilles, je trouve ça bien. Un petit coin de nature dans cette base qui est plus, qui a plus un thème de nature, naturelle, avec toute cette eau, si en plus on rajoute de la pierre bleue quoi, du sable, du feuillage, ça peut, c'est bien quoi. Et donc du coup, ça va produire de la canne à sucre. Tiens, je vais aller voir si d'ailleurs, en parlant de canne à sucre, ça nous dit du coup. Eh bien, papier, et si on a du papier, ça nous fait des émeraudes. Donc, déjà, on a un nouveau petit copain qui est là. On va pousser. On va aider à faire tomber. Voilà. Et ensuite, on va voir si on a un autre villageois, un cinquième villageois libraire. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Wow. 1, 2, 3 et 4. Ok, on en a que 4. Je sais pas si du coup ça reste toujours infini, je pense, puisque ça produit des villageois. Les villageois, j'en ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a un petit qui se balade, 12. J'en ai 12 ici. Les libraires, je les garderai sûrement. Peut-être un clerc. Un clerc qui me prendra le moins de Rotten Flesh possible. Mais par contre les farmers, je pense que les gens pourront les prendre pour faire la reproduction. Leatherworker, ouais, bof. Mais en tout cas, on va emmener tout ça pour la future usine à faire. Je ne sais pas quel type d'usine à faire on fera toujours. J'ai encore des doutes. Mais on verra bien. Mais au moins, par contre, alors il faut que je vous montre un truc et je pense que... Ça va m'influencer dans le fait de changer de version pour le serveur. Et c'est que c'est le bug des sticky pistons avec les slime blocks. Les slime blocks. Désolé, mon accent français prend le dessus aujourd'hui. Puisque, et c'est assez chiant, c'est si vous vous éloignez.
Si la zone n'est pas générée, normalement, si elle est générée, mais je ne sais pas pourquoi ça me l'avait ça ne me l'avait pas régénéré. En fait, je m'étais éloigné pour prendre ma canne à sucre. Je sais pas si on va pouvoir voir ça. Par exemple, voilà, je me dis, allez, je suis en train de prendre de la canne à sucre, etc. Et que je veux revenir, et j'espère que ça va. Je veux pas passer pour un con, j'espère que ça va faire le même bug. Mais de toute façon, on avait vu ce même bug à l'usine à Blaze. C'est que quand on s'éloigne et qu'on revient, voilà, il y a ce bug-là. Et c'est pas normal. C'est clairement pas normal que ça fasse une fausse duplication, puisque vous voyez qu'il y a des slim blocks ici et ici. Et du coup, c'est très... Bon, c'est juste un bug d'affichage. Non, c'est très bizarre, en fait, c'est même pas un bug d'affichage, puisque, en fait, le sticky piston n'arrive pas à pousser, puisqu'il se dit, il y a trop de blocs. Puisque oui, il y a 16 blocs, puisqu'il y a que 2 fois 16, 2 fois 8 sticky pistons. Slime block. Et du coup, il peut pas pousser. Et du coup, ça update pas. Et par contre, quand on déco reco, eh bien, tout est normal. C'est très bizarre. Donc c'est. Je pense que j'updaterai le serveur en 1.9. Non. Bref, faut parler de choses sérieuses et du coup, c'est pas. Bref, donc je verrai ça. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde!